RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Si nanga momo susu transport ezali pasi, alors c'est vraiment difficile pour na ba ekipe ba susu ba survivre na ba tango ya bongo. Alors na tango lelo tokolobela bongo likambe tali peine de mort makanisi ya baimbo kape ba susu ezali ne parce que Union européenne a telemé na kiango cardinal Fridolin Ambongo a telemé yango selon ye ezali recul makasi pona makambo etali mboka na biso les opposants quelques opposants ba telemé na kiango ndeko Martin Fayol m'a dit dina compte X na ye a telemé na kiango et singeli koyeba que ezali ko baebele bazali kote le melango parce que bazali bongo komona ke ezali recul po na démocratie na biso ezali ko permettre teto kende bongo liboso et nini peza ba ekipe basusu bazali ko kanisa sur la question. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais la question se pose ce matin sur na o etali bongo élection ya ba gouverneur mais aussi la question sur l'élection du gouverneur de la loi là-bas à Kaj et Talisaki que Ndeko Fimasuka Zali Bongo a sengé l'amité pour Kakamba Bongo Kuna na loi là-bas Pona a Ebi Bongo Brigade de Shabamonda na Emi Balé. Nous allons aussi en parler au cours de cette émission. On a Bandeko Bazana Bisho sur place. Ok, déjà, pour Salamon en Boka, Ndeko Gauthier Sey, Mbote Pebouiboula. Bote maman Naomi, merci pour la invitation. Bote na balandi banse ya Congo, ya pona Congo. On reste disposé pour na oyamu la mitouna na. Pour Congo mani balobi, la vie devient de plus en plus insupportable. Moi eza makasi kure ezate, ma ezate, transco ezo salate, embouteillage et l'équipe makasi. Étant que journaliste constant na ezaini. Oui, mais c'est ça l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Tout ceci, ben, qui va prévoir en gros, regardez la ville, comment la ville se présente aujourd'hui. Ben, immeuble de presque partout, reboisement et salle de magasins sous-soutés, ministère environnement, alors que c'est un rabambon ou bipaï, nabipaï. Il n'y a plus d'arbres, partout ils ont trouvé les arbres, ils ont coupé les arbres. Ben, télémissé, ben, immeuble, tout le monde veut être responsable des 5-10 immeubles. Et voilà maintenant la conséquence, c'est que nous sommes exposés maintenant à la chaleur. Alors que ben, Zetewana, ils ont un rôle important, ils ont joué quand il fait extrêmement chaud. Alors que jusque-là, nous avons 38 degrés, nous avons 40 degrés. Nous avons agi entre 33, 35, 36 à la limite. Donc je pense que le gouvernement devra voir rapidement, à un certain moment, ben, là, qui va. Ben, pratique ou en amalam ou yakolo na banzete tout au long à Baboulevard. Et puis je pense qu'à une certaine époque, tant que ce tour coule à Kinshasa, on a même exigé na Bamapang ou tout na ba quartier et c'est n'est le na ma banzete. Mais partout il y avait quand même des arbres, partout il y avait quand même ba fleurs, tout ça. Mais ils ont presque vendu partout et nous sommes tous exposés, tout ça, au kangama na banda, au appartement, tout ça, alors que ça ne devrait pas se passer de cette manière là. Je pense que Konziamboka Bazouango comme Mbela, parce que ça peut causer beaucoup de dégâts et beaucoup de maladies et que vous m'appelez Batou et Bélé. Et nous avons interpellé le ministre de l'Environnement, Mme Eve Bazaïba. Il est temps maintenant de couper, il y a coupé sa caméra dans le Congomani, moi, oxygène, moussous, oeza naturel, et outil dans la banzété, et voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre de moyens dans le colonel banzété. Les chaque jour, dans le Zamboto, dans le Kata, dans le Kata, dans le Kata, dans le quartier, dans le Kata, dans le Kata, immeuble. Les immeubles, c'est bon, mais il faut qu'il y ait un plan architectural. Parce qu'il faut pas tomber dans immeuble, cité, il faut pas qu'il y ait immeuble. Alors qu'ici, il n'y a pas ces plans-là, partout, il y a des immeubles, et même dans ma belle Otebi, il y a ma belle qui peut contenir 5-6 niveautés. Mais les gens construisent, je me dis, peut-être c'est un bon. Non, mais l'État lobby qui a habité, d'Akissa, immeuble, quoi, qui lobby. Mais l'État colobaté qui a habité, immeuble, on est en une seule nuitée. Ça a pris autant de nuits, autant de journées. L'État, les Kakawana, l'État, ça démontre encore l'irresponsabilité de l'État, l'absence des services de l'État.
il se préoccupe dans l'Orlande, là, Gauthier, c'est à l'Oba qui ne peut pas kangaï. Stanis Boujaki, radoquement, ne peut pas kangaï. Alors que, regarde, la population civile, elle est exposée. Oui, ça, les miwana, c'est extrêmement grave. Et pendant qu'il met des choses qui s'effondrent, Bazarota, là, au lieu de démolir en gros, Bazos, elle crée des dégâts en vue humaine, matérielle, en makassi, pobaya. Donc, il y a quand même un côté attentiste au gouvernement d'Abisso qu'il faudrait quand même condamner. Et ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Toza Bongo Nandeko Mardoché Minga Nsele, Oaza Bongo, président national, il y a Luc de Gênes, il y a parti FIDEC. Vous pouvez déjà nous rejoindre sur ces plateaux. Ndeko Mardoché, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame Naomi. La présidente Ndeko. Un beau téléphone balali, bonjour au patron de plateau. La petit va commander une beauté place Bazali. Puis va Bolabé. Place Bazali. Là-bas, londonien. Donc côté on a outil. La petit va m'ouper une beauté. Et puis la bonne santé va nous rendre à Est place Bazali. Je ne cesse de compatir avec eux. C'est-à-dire que tout ça est longo. Donc nous sommes là. Bonne île là-bas. De plus en plus, je ne sais combien de lots depuis Kolwezi. Je suis en train de me faire un intérieur en Boka. Je suis en train de me faire un peu. Comment est-ce que ça se passe? Je suis bien, je se porte bien. Je suis en train de me faire développement. Je suis en train de me faire un Fifi Mazuka Saini. Depuis, je suis en train de Lualaba, donc je vais dire à la tête de Lualaba pour les misérables, bien sûr. Donc je suis inspiré de confiance, inspiré par Lualaba confiance, dans mon institution, je place Bazali, c'était pas facile, mais Salemi, vous avez vu des actions à impact visible, madame Fifi Masuka Sel dans la province Ouana, et puis Lualaba, je vais dire la population de Lualaba, en particulier, Bazali et Sengo Makassi. Comme on a des candidatures, ils ont combattu Makassi, ils ont retenu et que Masuka serait élu pour la première fois gouverneur de l'Inaïe. Et vous allez faire Makassi pour consolider Baki et puis comme on continue la température ou le développement Oyo. Et ça dit que le secteur Ozaki, moi, mon Lili, le secteur Ozaki, n'a pas beaucoup de bébé. Ah ouais, tout le monde a quand même que ce clair. Donc Lola se porte bien. Nous allons en parler. Pour Toko Sarate, population Zolanda Bisso, Toko Bangona Mozindo, Solo, Naba et Nyon Soubazaï, Kosepelate, la candidature, il y a Madame Fifi Masuka, Ponanini, Toko Belango, au cours de cette mission. Et Batebele, c'est le ministère de la communication, le ministère de la santé, pour mobiliser la population, na Tango Tokomi, sous cette canicule au Tozaï qu'on vit ces derniers temps, c'est qu'il faut qu'on mobilise, mais aussi Moutoumoussou Koutalobi, maman, non, mais Batia Mamaï Nanzela, pour moi, il n'y a pas si bon. Il sera ma canne ici, et vous avez bien pour la tango de Komuto se préparer, et vous avez madame Mingi, ma canne ici, il y a un peu de soussou, dans le Kambetali, peine de mort. C'est la question qui se pose. Mingongo est allé au tombe, Matoyo Kilobi, Union européenne à réagir. Toyo Kaki Bongo, cardinal Fridolin Mbongo à réagir. Ndeko Koti, si vous êtes journaliste, Toro Bandanayo, sur cette question, dans le Kambetali Bongo, peine de mort. Comment est-ce que Ozali Komonayango, comment est-ce que Ozwaki Sangoyango, est-ce une solution pour la question de la sécurité dans la partie Est? Ce n'est pas une solution, rien à voir avec même cette option dissuasive et à peine de mort. Moi, je pense que les arcs ont craché sur la démocratie, cette jeune démocratie. Je vous rappelle, maman Naomi était dans les États-Unis d'Amérique, basée à peine de mort. Mais ce n'est pas pour autant que toute la criminalité diminue. Ce n'est pas pour autant que moi je pense que et le courant n'a pas besoin de ça là le gouvernement n'a pas pour assurer la faire courante et qu'il n'a levé moratoire depuis 2003 n'a pas craché sur la démocratie Nabisso. C'est vraiment regrettable de voir que c'est les partis IDPS, parti démocratique, parti et bundi pour la sociale maman Naomi, il est prouvé que la vie humaine elle est sacrée. Moto ana makoki ko pesa bomo ina moto en réalité. Même l'État n'a pas la capacité ya raison que ça moto bomo. Alors que nous tous ici, tout le monde a ba procès, ba condamna moto de 20 ans, 15 ans après 30 ans d'enquête, pas se rendre compte que comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite et qu'il y a eu des erreurs.
baki ba laver mutuana nde ba sala ba benga dommage intérêt ba dédommager. Maintenant, ce que ceux qui bossi bobomier pour un jugement qui était mal rendu ou pour des accusations fausses qui ont été peut-être soutenues par des faux éléments, mais aussi pour te vinaï après 10 ans, 20 ans, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Est-ce que l'État a une amakoki? Il y a besoin que c'est la moto bon moi. La vie, maman Naomi, les souffles des vieux Tosanango, les seuls moutoki côté en Ouzara, Mopé, Sinango, ils attendent Zambé, ils attendent Kolo. Donc, revenir sur un débat comme ça, au moni Lilo Oyo, nous sommes d'abord, un, la piste, il y a diplomatie pendant que Zongisa, sécurité, la partie est, en Bokanabiso, tout ça, autant pour la nation, autant pour l'Union européenne, les autres, le débat de l'Union européenne est changé, et comme il faut condamner, mais Oyo, gouvernement Nabiso et qui est levé comme moratoire. Donc c'est encore une autre distraction. Je me dis, est-ce que Batoba Kokamba Biso, il y a réellement un souci à Mboka et Kende Liboso, tout banana le Kambo, Atabalobi, maman Naomi, Mboya, il y a ma colombie, Neymaranda Benzelabe, Moko. Nous sommes encore dépassés par l'insécurité de l'Est pendant des décennies. Vous avez levé moratoire, il y a peine de mort, et tel à ce que l'Union européenne était le Médibiso. Oyo na ina ebeli yango miki mobimba ekotele mela biso et toba na susko se justifiaka toba na kopesa non si on a fait ça mais écoutez, mais face aux traîtres solution les gars qu'on arrive ils arrivent ils parlent des traîtres mais qui est traître quand vous êtes dans un pays où le VPM de la défense où le VPM de l'économie aza ko aligné ba rebelle comment ça onani oyo comme on est sous nan Kamer n'est-ce pas il a aligné un rebelle na Est Kuna comme candidat député provincial à Partinaï? Jean-Pierre Mbemba, n'est-ce pas il a aligné un rebelle comme candidat député provincial à Partinaï? Est-ce que la CENI, à mon avis, est inéligible? Est-ce que la CENI a rejeté leur candidature? Ils ont battu campagne. Ces rebelles qui étaient connus dans la CPU, en commun, Lubanga, c'est Luba. Il a même fait l'interview sur Top Congo au nom de l'Union Sacrée. C'est quelle leçon, c'est quelle image qu'on donne à nos enfants, ceux qui nous suivent? Donc, on peut être seigneur des guerrières, tu tues tes frères et sœurs, lobby oyé, parce que comme tu as pouvoir, tu es blanchi, ou comme tu as la politique active. C'est ça l'image. Qui veut réellement combattre, n'est-ce pas, la trahison? Les traîtres qui ont tué à l'Est, qui ont tué à l'Ouest, qui ont été condamnés pour des crimes de guerre, ils sont revenus quelques années après, ils adhèrent dans la majorité présidentielle et on les aligne comme des candidats présidentiels. Vous avez des gens qui pillent la République matin, midi, soir en termes de millions de dollars. Ces gens-là, ce n'est pas de la haute trahison. C'est pas de la haute trahison. On fait de vous ministres, on fait de vous députés nationaux, on fait de vous mandataires. Vous pillez, vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la République. Et quand vous lisez même Baba Greffona, maman, et ça passe dans ma voix. Sur Taliba Gebabino, complicité, trahison, et même ils définissent même les infractions, alors que la loi, elle est là. La justice doit faire son travail. Il ne revient pas au gouvernement. Il y a Rokat et la Bisso et Tumbe Geno, pour Nambeba Oyo, Barossa la peine de mort, pour Nambeba Obakuko Bomo. Alors que la loi est là, la justice a déjà fait ses travails, Grief Nyoso va reprendre Rwana. Et Tumbe Lango et Zali, mais Oyo, Nanini, il y a, comment on appelle ça encore? Code, il y a comment ils appellent ça? Code pédale. Et qu'est-ce que donc maintenant Bangisus va s'ingérer dans la justice en Boka? On veut résoudre un problème ou on veut créer un autre problème? Nakanisa, tata mon conseiller qui est le peuple, tata mon conseiller moko a milité pour la liberté d'expression, liberté d'opinion, pour la démocratie et vanda. Na tata na Etienne Tshisekedi, bah vani pendant 32 ans d'opposition, tata na il était relégué, bah monaina makambo ebeleyi moko akuli na pasi ya opposition. Nakanisa et l'autre on est besoin de sa démocratie n'abîme les affragés naciment bah au long de là-bas tous ont parce que idée à moratoire on a maman et ça qui peut être une abolition l'autre on a mais n'est-ce pas bah besoin de ça donc ben je ne sais pas. Ndeko Martin Fayolo dit que ezali bongo piège pour na kolinga ko kwesa bongo ba opposant et le cardinal Fridolin Mbongo qui dit que eza recule pour la démocratie na biso déjà concept très très eza flou ba o bazana gouvernement ba lia comme bongo à l'état bazo sunga l'état bazo sunga population te est-ce que bango pe baza ba très très te ndeko Fumutoto bonjour et bienvenue. D'abord, le moratoire des années. J'ai mis la peine de mort des années. J'ai mis ça de vie des années. Je pense, sans risque de me tromper, que moratoire des années, coupé qui s'allie cambo,
oye sengeli salema pona ngonga muke. C'est ça moratoire. N'est-ce pas? Exactement. Et pour que moratoire est à la suite une disposition de la loi, et une cause à la, disposition où on a, et ça n'a nous amendé, et ça n'a nous révisé. Nakanisi, Batonio, c'est la fille de l'Ambongo, mon Seigneur Ambongo, son Seigneur ou votre Seigneur Ambongo. Bande de commentaires, il faut le consort. Il ne devait pas s'insurger contre le régime, d'autant plus que ce régime était moto et vota dans le Parlement. Il y a 5 ans passés, il y a 5 ans au Banda, il y a un vota qui a disposition. Il y a un parce que tout le moratoire, c'est-à-dire, ils allaient. Or, en tant que penseur et chercheur, je pense que le gouvernement n'a pas le droit. Il y a un moratoire sur une loi ou une disposition de la loi. D'abord, même Kabila Tchaki, et c'est là qui la mort de la démocratie. Parce que l'état de droit de la démocratie est défini comme régime politique dans lequel tout le monde est sous le dictat de la loi. Bon, nous avons trois pouvoirs dans Mboka. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Et c'est le régime à Kabila, où il y a un moratoire, et c'est le Longoli, en vertu de quoi un gouvernement peut mettre ou lever une moratoire sur une loi. Mais surtout, dans le contexte, il y a 2003 dans le contexte. C'est ça, ils ont justifié. Tout ça, le pouvoir législatif, Mokeli Amibeko. Non. Pouvoir exécutif, Mokambi Amboka. Pouvoir judiciaire, Mutambu Siamibeko. Si on ne veut plus d'une loi, on rentre au pouvoir législatif. Modifier. Modifier tout, amender. Et tant qu'une loi votée au Parlement ou acceptée dans la dictature, et ça n'a pas amendé, et ça n'a pas modifié, aucun gouvernement dans le monde n'a le pouvoir de dire cette disposition de la loi, Tolingi, les lois, ça n'a pas noté, qui n'a pas été Tolinga. Et que notre gouvernement, Koloba, Tolongole, en gros, parce que le gouvernement Kabila, ou Bachara moratoire, on a, n'a pas été Tolongole, puis on a dit, parce que toi, le pouvoir, on a été. Na ba opposant soit tele menangona ndeko Gotse basa libanda. Basa libanda parce que quand on dit moratoire ça veut dire code pénal wana ezana no révisé était ezana no amendé était na ba disposition wana. En ce moment ma bête c'est les arbres. Ma bête na ezali kaka il fallait pas être le gouvernement madame ministre de l'état hein mutazo zo décision wana. Mais comme le gouvernement ndezo ka décision wana. C'est aussi nécessaire que le gouvernement ait la décision. Entre le gouvernement yo, et Zouaka, il y a Kabila décision. Il y a Koboma Mobeko. Le gouvernement a tiré les décisions à cause de la Mobeko. Il y a des gouvernements qui ont été décisions. Parce que la décision, il y a le gouvernement qui a les alliés. C'est Kabila qui fait la loi. C'est ce qu'il veut qui doit être fait. Maintenant, ce que la Bible voit, même si le moratoire est en Mabé. D'autant que les amendés étaient révisés, étaient à disposition. Tous ceux qui sont en train de se faire. Nous avons des conflits en Bongo, nous avons des conflits en Dongo, nous avons des. Il fallait pas regretter d'abord contre le législateur, ensuite contre Kabila et non contre Tshisekedi. Parce que le régime est tous en Mibeko. Ça veut dire que la disposition est révisée. Et surtout, ceux qui ont dit que Tshisekedi a été en train de se faire, et tant que Tshisekedi a été en train de se regretter. Une chose est son contraire, donc vous soutenir la moté. Tout ceci se définit sur la moratoire. Opportunité, sur quoi? Tout comment? Peine de mort. Ok. Tolobike, États-Unis, Azali, na peine de mort. Est-ce que Kuna, vous le voyez qui. Toi, criminalité, exalité. Au contraire, tant que vous avez peine de mort, et l'ingou le bateau à criminalité et mais parce que criminalité et Zali va l'air t il faut tout dire un mécanisme ni n'est pas qui décourager anti-valère. Alors, l'esprit de la loi ou du législateur, bâtir peine de mort pour Nanine. L'institutionnalisation de la peine de mort est le moyen le plus élevé de la considération du don de la vie. Maintenant, l'esprit n'a pas dit que comme il y a un niveau de l'homme, il y a un niveau de l'homme.
Lokola yo kolongola ya moninga ya yo pe balongoli. Est-ce que l'esprit c'est attirer les gens ou décourager davantage que pour mouta pour mouta? Le problème ici, c'est que la justice est malade. Ce n'est pas parce que la justice n'est pas encore là qu'on ne peut pas avoir des lois qui peuvent protéger la société demain. Parce que le chef de l'État a reconnu que la justice est malade. Mais malade, personne ne me laisse parler. Qu'on ne les respecte pas en attendant que la justice, c'est quoi? Parce que n'a pas déjà postulé que moratoire Ngoloba, la loi n'a jamais été amendée ni révisée sur ces matières-là. Et c'est bien dit code pénal, c'est-à-dire ensemble de lois, où ils ont coté la mabéni batouza la société, pendengeni le législateur à Tinda Baka. Et puis, j'ai quand même des juristes dans la salle ici. Mon commandant Sosa n'a pas prononcé à Kanabango peine de mort. Parce qu'ils sont conformes à la loi. Bah, et ça n'est pas exécuté, raté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, outre qu'on abolir, n'en qu'on fait respecter ce qui n'est pas encore aboli, qu'est-ce qui est bon? Mais vous savez que l'institution de l'Union internationale est contre la peine de mort. L'Union européenne est contre la peine de mort. Parce que l'Union européenne, dont on va occidentaux, parce que l'Union européenne, 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 maintenant, ceux qui ont vomi, parce qu'il y a vomi qui bat. D'après toi, c'est mal. Mais ce n'est pas aligné. Et là, tout le monde est aligné. Il y a tueur des hommes à l'aligné. Il y a honorable, il y a un député pour l'aligné. Mais si, comme il est établi qu'il y a un salakimabe, à vomi qui sont congolais, ceux qui ont vomi. Motoza, ma bouquille, vous m'avez voté. Voilà. Mais tout le monde est mon zambé, mon daoté. Donc, c'est ça le problème. Ce que vous ne savez pas, c'est que. Dieu est représenté sur la terre par l'État. Et que l'État n'est pas tenté par l'esprit de détruire la vie de l'homme. L'État est tenté par le souci de protéger l'homme et de punir celui qui punit l'autre homme. Chutez-moi. Je chute en disant ceci. La vie. Vie est un île. Et ça donc, on a mis à Pessa Kibiso. Bon, on a un abouté qui est. Et ça, on a mis, non? C'est un abouté qui est. Mis, Jésus, il n'y a pas de mal. Non, c'est qui ça y est. Ah, bon, c'est quoi ça veut dire l'État, c'est qui ça. Donc, la Bible n'a jamais dit qu'on ne peut pas tuer les gens. Donc, Moïse, Adam, c'est dans ça, mais non. T'as qu'il y a un peu de mal. Il y a un exemple. Pourquoi on a l'invité de dire Moïse a créé un gomba pour se rendre en Zambie. À côté de l'Israël, il y a un peu de mal. Alors, il y a un peu de mal. 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 Qui t'a dit que Dieu ne veut pas continuer le méchant? Bon, moi, il fait nous avoir réservé pour un homme qui se méconduit, qui détruit sa société, n'a plus droit à sa vie. Ça, c'est le sens réel de l'État. Vous comprenez? Parce que même si on condamne ta perpétuité, et ça, déjà, Kakoufi. Parce qu'il n'a plus le droit de la vie, parce que parmi les droits principaux de la vie, c'est le droit à la liberté. Mais tout le monde a condamné à mort. En tout cas, contexte, c'est ce qu'on a répondu au contexte. Dans le contexte, c'est entre Koboma. Bato azo tungisa Congo. Na bango kosili sa ba congolais. Wapeti apemeni. Je suis d'accord avec vous que politiciens congolais bakota kana gouvernement les mêmes jours gouvernement zo makala mingi te. Moto koti na gouvernement même pas deux mois akomota mulana mutu kaya plus de 800 000 dollars. Salaire na bango eza na kati ya budget et utaka wapi? C'est une inquiétude que je partage avec vous la fois passée dans le bacan. Moto koti na gouvernement, il n'y a même pas déjà à sombi terrain à Gombe. Terrain à plus de 5 millions de dollars. A Zumbongo wap. Criminel wana, il y a un criminel ou yakuluna. Bakouf ensemble, mboke za la kimia. Donc ce que nous regrettons, c'est que le loi concerne seulement les militaires, les petites catégories, mais les kulunas en cravate ne sont toujours pas attaqués. Il n'y a pas encore de mesures au l'extérieur. Ok, babébi saliboso va koukoufa. Merci. Mais la situation au Congo est zali. Moutounio solinga trahi l'ango soka koufi, ce n'est que délivrance.
Merci beaucoup. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif efficace contre la criminalité et rend irréversible toute erreur judiciaire. Ndeko Michel Ndeko Mardoché, Malobombo Kayo Waneza, extrait, il y a déclaration, il y a Union européenne, côté, il sera que Yango est aussi ça et l'autre côté. Est-ce que vous pensez que la peine de mort est un mécanisme de dissuasion pour la rébellion, topé trahison dans Katiambo Cannabis? Merci beaucoup, Maman Naomi. Na yoki ndeko kote nenga lobi, na yoki pe mkolo fumototo nenge pe a lobi. Nga yipe nazana oyo na o, na rocha lo la maloba, na o itali peine de mort. Amoni, biloko bato bazo loba, justice na biso eza na faiblesse, même le président public l'a reconnu, moi je suis d'accord avec lui. Na eloko moko, c'est la corruption. La corruption rend au moins l'appareil judiciaire faible. Ça, je suis d'accord. Parce qu'en dehors, il y a corruption. Où ils ont influencé ma décision. Et que justice, cela, ça pose un souci. C'est là où ça pose un problème. Mais les magistrats, ils sont régis par un principe de la légalité des délits et des peines. Un magistrat ne peut jamais inventer une peine. Il ne peut jamais inventer une infraction. Ils ont la catégorie Beko. Ils ont il y a un peu de pour ma peine de mort. Objectif, il y a un service pénitentiaire. Il y a une prison et la carawa. Normalement, objectif principal, il y a une prison et la rapport à bon maté. Il y a une rapport à rédiquer, la rédication. Si quelqu'un a commis un indésirable, Moutouaza m'a bien la société, à Yibaka, à Salarabo, à Salarabo, ce qui m'a kangié, et que loi est déterminée peine pour l'infraction à Sali, à côté de l'Okopona, et tangi, c'est une école. Ce qui a bimi, a bimi, a bimi, a bimi, a bimi, a utile la société, à Sali ça. Maintenant, objectif, il y a peine de mort, au-delà de tout, c'est que, les législateurs, ils ont eu le temps de réfléchir avant de mettre en place, constituer peine de mort. Bah, tenir compte des facteurs rebellés, bah, exagération rebellés, na niveau de criminalité, na niveau bah, domaine rebellé. Bah, le bini, bah, le bini, il y a des gens incorrigibles. Bah, tout, il y a des gens qui ont corrigé, Et ça, bah, tout, il y a des gens très dangereux dans la vie, il y a des justiciables. Bah, comme il est très dangereux pour la société, au moment que la présence dans la société, la population, elle est mal à l'aise. Bah, ça, mal à l'aise, bah, on va rater. Et des gens comme ça, la peine de mort est prévue pour des catégories yabatou comme ça. Parce qu'ils deviennent indésirables et la société où la justice s'engage à travers Mibeko, ou les législateurs, les institués, tenant aussi compte des différents facteurs. Il y a que peine, ou ceux qui sont en exécution et que soit du sécurité. Pour dissoudre de manière physique les personnes indésirables, incorrigibles. Comment est-ce que vous voyez que bah, règlement de constater, comment est-ce que tu aurais comme ma terreur, parce que pouvoir checker des lignes contre sa dictature ou des oppositions. Au moins, il y a une façon dont nous avons le bel, nous avons le bel, pouvoir checker, pouvoir accabilater. Nous avons le bel, objectif, il y a peine de mort, et Zanini, c'est pour des personnes indésirables, incorrigibles, des personnes dangereuses qui menacent l'ordre public, n'a pas justiciable. Alors, l'esprit de la peine de mort, l'esprit à disposition, les Zapona, éliminer physiquement bateau oh yo bako changer jamais présence na bango ezo perturba ka ordre public ainsi de suite tout ça na catégorie ya bato wana awa un nous avons de kuluna dans le contexte dans lequel nous vivons nous avons de kuluna il sème la terreur babo makana mbeli bakanga ka bango bakuti boloko babimi et tant que babimi objectif ça service pénalisé ça pour ba éradiquer bango bako mabatu utile batika na jamais ko mabatu excepté babo bakena ka jamais ça deux toza na ba traître. Ma traite de ce sont eux qui conspirent avec les ennemis. Il y a un bon cannabis pour influencer la perturbation. Il y a ordre public. Kongomani à travers Bisso Mokoba Congolais. Et là, wana, ça construit ce qu'on appelle la haute trahison. Il y a un bon cannabis. Ce n'est pas possible. Et des gens comme ça, ce sont des personnes indésirables. Ce sont des personnes très dangereuses pour la société. Donc, la mort. Pendant que Bisso Awa, il y a un bon cannabis. Bah, Congolais, il y a partout. Il y a même ceux qui manifestent en Europe partout pour qu'ils mettent en Est. Bah, Congolais, il y a des gens qui sont armés. Bah, on va dans le service de la sécurité. Les politiciens, les tout ça. Et Bélé va être complice parce que bah, il y a intérêt à Bangou et à côté Kouna. Quand ils font ça, ils gagnent de l'argent, soit ils gagnent de minerais, ils gagnent des opportunités. En revanche, mon ingazo salané, nini, azo pour mander à travers yo, pour n'y a zo, yo peut ozo. Alors, des gens comme ça, il faut faire quoi?
il faut les tuer. À la lumière de la loi, ce sont des catégories à battre. Il faut physiquement être éliminé pour na kimie kota na mboka. C'est ça l'objectif. Il y a un contexte dans lequel le moratoire sur la peine de mort a été levé. C'est pour diminuer les taux de participation à la criminalité, à la trahison contre Mboka Nabiso. Et c'est pour ça que ma théorie est inutile, ça ne sert à rien. Et puis, deux, on ramène la notion il y a levé, il y a moratoire, il y a peine de mort à la démocratie. Il y a des ordres. La démocratie, de manière lapidaire, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne, gouvernant comme gouverneur, ne peut se mettre au-dessus de la loi. C'est le sujet qui est respectueux des droits de tous. La peine de mort existe bel et bien. Et n'a jamais été abolie. Moratoire, nature juridique, est biaisé. Moratoire pour faire quoi? Il fallait qu'il y ait une proposition. Portant modification, il y a code pénal, disposition telle, telle, telle. Pourquoi? Vous donnez des motivations exactes. Aux États-Unis, chaises électriques, c'est la raison. Tu exploses au Koufi. C'est comme ça qu'on tue les gens là-bas. Et les gars là-bas, caméras, ils ne vous diront pas. Et vous savez pourquoi l'Union européenne intervient dans nos affaires? C'est à travers ratification, il y a pays, Nabiso, la convention internationale relative aux droits humains, où on ne parle pas de la peine de mort. C'est pourquoi Kabila a été coincé. Et tous ces professeurs ici ont joué la danse de Kabila pour prendre ces moratoires inutiles. La peine de mort existe bel et bien. Et même quand on prononce des jugements, on condamne à mort. Mais ça commuer systématiquement à la peine de perpétuité. Mais normalement, la peine de mort existe. C'est pour une catégorie de personnes. Que personne ne vous trompe que ça recule la démocratie. La démocratie a avancé aujourd'hui par rapport à Mbongo. Parce que depuis longtemps, cette démocratie n'existe pas. D'après le langage d'Mbongo et tous les autres. Nous faisons pas de comédie ici. Il s'agit de notre pays. Vous savez combien de gens ici se plaignent, pourquoi nos frères meurent? Maman, ça se fait comme ça, n'est-ce pas, point de vue. On n'a pas tué dans leur famille. Son cousin, sa cousine n'a pas été disséqué en morceaux, coupé, peut-être abandonné, les enfants partout, et fuir en brousse. Et quand on lève cette fameuse moratoire sur la peine de mort, je vois les gens sortir avec des propos un peu désorientés. Non, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi non? Nous voulons que cette peine existe. Très bien. Et ça n'a pas de catégorie de personnes. Moutounio, soit vous en avez beaucoup trompé, n'a pas besoin de bawana, à la punir. C'est un militaire, c'est la fusillade. Ceux qui sont civils, va pendre. Et vous savez, je donne un exemple. Même si la procédure n'était pas bonne. Vous savez, quand on a essayé de massacrer les Koulouna à l'époque de Kabila ici, sous Kanyama, ce qui s'est passé, les Koulouna, automatiquement, ils s'auto-édiquaient. Oh, il y a un qui est belé à Katia comme pasteur. Vous voyez? Maintenant, si ça se fait comme ça, que ceux qui ont coupé une pièce à l'état, quand ils ont pour trahison, aux Koulouna, aux Sodam, on te coupe la tête. Bah, bien sûr, Massa Soukoufi, Sodam, on se place à vous. Alors, on a décision de ne pas perdre sa vie. À trahir, à gagner, moi, quelque chose, c'est comme ça. Merci beaucoup, Mala. On ne badine pas avec les gens. Maton, Nazo Peso Malo, vous rebondir. Nazo Peso Malo, Tokeni Nangamboya, Tokeni Nangamboya, là-bas, Simanae Koleka, Nabante, Yakongo Buzz Télévision, Kosala, affirmation, oh, Nangamboya, Lola, Balobi, Zalo, Koutamingi, Ndeko Gauthier Sey, Balobi, Malobanyo, Sorobaki, Zalaki, va propos, Sixitive. Et où tu es pas na yo monko et ça il y a solo oui ça on a le bagage malo bala yo olobi que ndeko fifi masuka ceux qui batiki en esika wana solo a comme un monstre contre même pouvoir ba ko ko contenir était ko gérer était mais le kambetali candidature na yo ezo ça la débat qui non monko na lelo yo loba qui est ça lo ça et ça soloté que Akoui Kou s'est représenté, Akoui Kou s'est représenté. Mais Akaj, à l'obé que candidature, il y a une décofifi Masuka, il y a illégal et anti-constitutionnel. Selon Bango, parce que là, c'est représenté qui déjà, Mbalami Balé, Akoui Kou s'est représenté. Ce qui est vraiment qu'aux ongles, il y a un critère, il y a solo. Oui, ils ont talambo comme Obimba. Pourquoi c'est loyo Fifi Masuka et Seigneur à la candidatité Lelo? Je prends 30 secondes avant d'aller à Mtuna. On a rencontré le co-débatteur Nangai. On a lundi, moi, la contradiction est belle. Autouni de Kolangai, question moko précise. Olubi, est-ce que peine de mort, selon l'Union européenne, et l'Obi était Ezanango, et ça n'a pas dissuasion l'eau au côté. Et quoi, boutine l'eau côté, et quoi, réduire peut-être la criminalité. Il s'est mis à étaler autant d'exemples. Bandi, un exemple, Nasuka. Il dit. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous ils se sont auto-rééduqués. Et après cela, qu'est-ce qui a suivi? Est-ce que Koulouna est si là? Koulouna est si là pendant que Kanyama a tué. Est-ce que Koulouna est si là?
Kuluna, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aux États-Unis, où tu donnes l'exemple, que tu as une chaise électrique, toi, la criminalité, il faut suivre les médias. C'est chaque jour qu'on tue les gens. Bah, ceux aussi, mais presque chaque jour, est-ce que ça réduit les taux de la criminalité dans le Kanabango? Et il va très loin. Il me dit, bah, traître, il faut pas s'il, il faut pas bon Mabango. C'est quoi la traîtrise? Qui est traître? Comment définir ces mots, la traître? C'est lui qui a quitté Kabila pour rejoindre Tshisekedi. Il n'est pas traître, il n'a pas trahi Kabila. Les traîtres, c'est lui qui va rejoindre le M23. Là encore, c'est un débat. Qui est traître dans ces pays? C'est lui qui arrive aux affaires, qui était pauvre. Deux mois après, il a 5 immeubles, il a autant de jeeps, il n'a plus de parking. Entre-temps, Namusala Naekuna, les gens sont en train de mourir de faim, certains sont malades, l'entreprise n'a pas, ministère n'a pas. Qui est traître, qui ne l'est pas? Ça encore, c'est un problème. Il va très loin, il dit non. Vous savez, la démocratie, c'est d'abord le respect des textes et des lois de la République. Mais oui, mais quand la justice, les codes pénales, et c'est Katia Toum Nambeblonios, quand vous venez avec les 20 moratoires, Bobby, traître, il faut vous pendre, il faut peindre des morts. Et ceux qui ni les sous, il faut peindre des morts. À ce moment-là, est-ce que vous avez respecté, n'est-ce pas, les lois et les textes de la République? Qui définit les peines dans chaque infraction? C'est le gouvernement ou c'est la justice? Donc, bref, ça n'a pas résolu, ça n'a rien résolu dans le monde et rien ne sera résolu avec cette peine de mort. Nanandi, Kouloutoufoumoutotalobi, il m'a c'est contredit. Abi, même Nzamba Boumaki, oui, mais nga nebsa kyo te moutan, ma koukia bo mezan Nzamba. Nzamba kiko Bouma, Nzamba kiko sko souffle, azon se lopema. La lolingue moko, a Boumaki moua nanaye, 3 jours après, a ressuscité. Mais yo l'état ce que Boumi moto. Ozan ma koukia, azon se lopema. Na pesa kyo ndakisa moukwa, ou rencontre ngate. Na l'obitan ou yo Boumi moto. 10 ans, 15 ans après, on se rend compte que Maïba Fundela qui moto, Nzamba Moloukouta. Parce que, œuvre humaine, ils aura parfaite. Est-ce que l'état ou yago souffle le sousou? Genon, yo. Et Marie-Madeleine, qui est dans l'hôtel, le tombeau est vide. Bon, il y a un tombeau vide, mais toi, ça c'est quoi? Donc, tout ce qui est là, l'État, Nzambe, ma coquine, il y a un peu de paiement, il y a un peu de paiement. Mais biso bato, tout faire respecter Mibeko, on a une façon de rééduquer, de maintenir les gens, parce que dans le monde entier, il y a celle-là, la peine de mort, on a solution espèce à mater. Mais je suis éclairé que Fumutoto puisse comparer les gouvernements belligérants. Il y a 2003, et un gouvernement où ils ont un parlement issu à l'élection, où la population a perdu confiance. En 2003, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où un président qui a pris le pouvoir en rébellion, en 1997, si je ne me trompe pas, il arrive 3 ans après à Koufi, on prend son fils, on l'impose là, certains compatriotes, bah, c'est pélité, Bakangi, les pays est divisé, on rappelle tout le monde à la table de négociation, Tokine a formé une moko unique au monde, et ce qu'alors ça les maté, 1 plus 4, on arrive, on s'est dit, bon, avec, avec le Parlement, comment on dit, on a inexistant, le Parlement n'existait presque plus, on a nommé des députés, les quotas, c'est chaque parti qui donnait des députés, ces députés-là n'étaient pas rédévables à la population. Comment voulez-vous que, dans la période de l'Olengewana, on ait un moratoire pour éviter les règlements des comptes? Parce qu'à cette période-là, Kabila pouvait dire, parce que je suis président, Mbemba m'a beaucoup dérangé, je peux tuer tel élément de Mbemba, je peux, parce que c'est le dossier, tel élément à Zaya Souroubéroa. Il faut sécuriser paix sociale et Zanamboka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bâtir moratoire. Et moratoire, la définition, Fumuto Tazu parti intéressé à l'obino. Ça voudrait dire que la loi n'a pas été abolie, oui. Mais il faut aussi dire que la loi n'a pas été abolie, mais le moratoire, c'est une décision de Zomaka après consensus. C'est une décision collective. Ce n'est pas un individu au télémino. Et à cette époque-là, on avait le 1 plus 4. Donc ça voudrait dire que Tozagin a 4 vice-présidents, Tozagin a 3 vice-présidents, si je mets 4 vice-présidents plutôt, président de la République, les députés nommés, les sénateurs nommés, les gouverneurs nommés, qui, chaque gouverneur, chaque député, à qui redevable n'a peuple été, mais redevable n'a autorité morale, il a appelé ça comme quota. Et dans une période comme ça, ils prennent un moratoire pour asseoir la paix sociale. Et on vient comparer, on dit, na Kabila zwa ki moratoire, na Mutalongo bandenge moko. Kabila l'a pris dans quel contexte? Est-ce que le Parlement était élu? Les députés, au bain dans le Parlement, ils revenaient des élections? Le peuple a voté pour que le Congrès modifie le code pénal, l'article dans l'hôtel, et ça, pour fâcher la loi. On était dans quel contexte? Dans un contexte de règlement des comptes.
Ou Kabila estime que Mbembe avait ma place, ou Mbembe estime que Azaïa Sorubé avait ma place, ou Azaïa Sorubé estime que Artisa Lingoma avait ma place, et il fallait maintenant un consensus. Donc, bon, tout ce qui peut nous amener à Rotumamboka, tout ce qui peut nous amener à Rotumamboka, tout ce qui peut nous tout Tikamboka ils ont gagné, tout pacifier Mboka, tout gagner l'élection et le plus fort à gagner l'élection, c'est celui-là qui va continuer. C'est comme ça qu'on arrive en 2006 avec les élections. On ne peut pas comparer ces régimes-là des belligérants de 2003 à un régime où il y a 2023, où c'est ce qu'il dit, à Outina Mapoulam en 2018, alternance pacifique, où le Parlement a coexisté, où s'il y a quelque chose à faire, il devait se soumettre au Parlement, et là, il y a Moko. Aïe à Salinini, à Mikomissi et Mogo, et puis avec un gouvernement démissionnaire. Moi je pense que Perswana, à tant que tu as un régime, Bissou Sotolinga Kati, c'est qu'il m'a cassé, mais c'est que tu es que papa Mokonzi, Zonga, si ma place, c'est moi, Mbangu, parce que peine de mort, wana, ça n'a rien résolu dans le monde et ça ne sert à rien de revenir encore sur des débats. C'est vrai, au l'Union européenne, bah, au Manassima, bah, Rwanda, bah, au Manassima, Banane, oui, mais on a dénoncé ça. Nous sommes allés, Tobingi Rwanda, agresseur, tout ça, on a schéma autour de Kimézonga, et voilà maintenant, le débat est revenu sur la peine de mort. L'Union européenne, au lieu d'attendre la marambo insécurité dans l'Est, à un côté, la peine de mort, non, à un côté, la vie sur le sus, tout ça, c'est ce que c'est justifié. Passe-temps manque à gagner pour la République. La question du loi là-bas. Balobi, Gauthier, c'est à l'obaki. Koti ka fifi masuka, koule ka place ouana. Et ça, qu'on crée un monstre au régime en quoi qu'on protège. J'ai réaffirmé mes propos. L'histoire nous renseigne que Batounio Sooyo, dans la République démocratique du Congo, Bashuma ba fonction et Abamine Nibisika ou Mosolo et Zaming, Bakoma ba opposant. Bagoma ba opposant et bisali na bango et zakande sali likaka moko na bopé sonda kisa. Moïse Katumbi ne s'est pas réveillé matin comme opposant. Moïse Katumbi sa force d'amasser de l'argent parce qu'il a été gouverneur d'une province riche où il puisait tout na Lualaba qui était une province presque minière. Quand il s'est fait beaucoup de millions, il s'est rendu compte qu'il a remis un milliardaire, il a commencé à créer sa notoriété nationale. Bomoni Azumazembe, Bomoni abandi ko financer ba parti politique, abandi ko tina ba parti na et s'étendre sur toute l'étendue de la République. Et Moïse Katumbi azela ki deuxième mandat si là comme le dit la constitution pour yepe en nourrir ba ambition comme candidat président. Après, vous avez vu Moïse Katumbi ko sala pas si makasi na Joseph Kabila a commencé opposant et il était incontrôlé, il a même acheté toute l'opposition. Il a racheté même certains partis politiques. Na ko pesa nonda ki samsusu, matata ponyo. Matata Ponyo, c'était un enfant bien-aimé à PPRD, il y a Joseph Kabila. Beseko, l'équipe des jeunes à Beseko, ministre de la Finance, premier ministre. Après avoir comme premier ministre, il s'est rendu compte que non, j'ai tout ce qu'il faut pour devenir président. Il a commencé à créer sa notoriété nationale. Ouazoubinga, gouvernance, leadership sur la gouvernance. En tout cas, c'est un séminaire Moura Lolengwana. Abandiko s'étendre, Abandiko tina structure Newana, dans la province Union sur le Congo. C'était une façon déjà de s'annoncer. Tant que Kabila a 6e mandat, naïe, a patienté, opposition est gagné, après le moment naïe, a commis candidat. Mouzito, tant que commis ministre et budget, a joué mon solo. A eu comme premier ministre, Bomoni Mouzito, a eu gagné le logo Newana ou Andego Benga, et le logo Nabandego Benga na économique, les termes m'échappent encore, a bandi tribune, a bandi qu'on lance la tribune naïe, a bandi qu'on kende la province, a bandi qu'on miteka. Après un moment, parce qu'il avait déjà la fortune, Moïse Katumbi est comme moi. Mais qu'est-ce qui dit que Maman Masuka a causé la Maman Zouziwa Mbombo l'a fait à son temps. Fifi Masuka, toi, t'as les tamboles, les nénés, ça, les linaïe. Et ça, ma couleur, Katumbi, et tamboles, il y a ma tata, et tamboles, il y a Mouzito. Azala qui colissait à Mouyej, à l'équipe vice-gouverneur, à Rolia Malamouté, ben utilisé dans Bilinga Bilinga, ben basculer Mouyej, à Zou intérim. A joué contrôle la province, a nommé gouvernement na Emoko, a longol ba ministre yon soit mouye jou, mouye jatikaki. Il crée son gouvernement, a créé mon solo. Aujourd'hui, quand tu vas au Lualaba, moi j'étais au Lualaba, je vais régulièrement au Lualaba. Quand tu vas au Lualaba, la famille Masuka, c'est une famille riche. Baba richissime à Congo lelo. Problème n'a pas de richesse na Bango. Laisse-moi en arriver, c'est pour te dire que Bazui Fortune et Makasi, après avoir fait 5 ans à la tête de la province, a bandi pour créer une autorité nationale. Lelo, nga noti bandou.
Je n'ai pas tourné dans chef de l'État dans la campagne, dans l'Hollande, dans le Bumbashi, dans le Kisangani. Partout, tu vois, on recoute à Fidel qui est comme qu'on s'installe. Alors que Mme Fifi Masuka Yemoko, elle a du mal de se déplacer. Dans le territoire, les cinq territoires qui composent le Lualaba, quand moi je suis arrivé, j'ai d'ailleurs fait un documentaire là-dessus, j'ai publié en Ethic News TV, je suis arrivé à la maison. À son leader au coin ouest, je relève un regroupement. À son leader au coin boué, je relève un regroupement. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons bougé ma tête. Nous avons chika pâté. Nous avons peut-être qu'un angaté. Nous avons peut-être il est beauté. Mais je te dis, je te confirme aujourd'hui que Fifi Masuka, elle est représentée partout là-bas. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, fortune au ceux qui boutent qui est narochité narolobaké. Mettons les salles les naïnga tant que journaliste, historien du présent. Namoni Katumbi n'a pas trace naïe. Namoni matata n'a pas trace naïe. Namoni fumutoto n'a pas trace naïe. Et je me dis, na fortune aussi à sali. Qu'on peut se sous 5 ans dans l'Oualaba. Elle sera la femme la plus riche du Congo. la démarche. Plutôt, excusez-moi, Mouzito, j'allais dire plutôt. J'ai dit, Namoni Mouzito n'a démarche naïe. Matata n'a démarche naïe. Katumbi n'a démarche naïe. En tant qu'analyste et journaliste, j'ai chité en disant, accorder encore cette femme-là 5 ans. À la tête de la province de Lualaba, la province la plus riche du Congo, elle deviendra de plus en plus riche. Et en 2028, à Konouri, ambition, comme Asia Zumbongo, Asia Zumbongo contrôle la bateau. Et les Congolais sont achetables. Tout le monde qui a tout mis va partir. Elle va acheter même l'IDPS. Et Tshisekedi, à quoi qu'on contrôle. Merci beaucoup. Merci, mon ambo, quand on a redouché. Malobombo, Kawaïo. Oh 10 minutes. Comment on dit, j'ai des pas pour le tout. Dès qu'on a redouché. Malobombo, Kawaïo. Droit de réponse, ndeko a aussi rappelé nyonso ya loba ki mbale bino bo bieza lokuta. En quoi est-ce que maloba zoba eza lokuta? Merci ndeko Gauthier se oyebi na bilo nyonso yo lobi maramu nyonso yo lobi etali maman Fifi Masuka. Bon naloba maman Fifi Masuka te gouverneur ya lola ba Masuka seini eza lokuta. Je le dis que c'est encore le mensonge. Oui, parce que ceux qui ont sali l'émission à Boye, place Moussousou, en ce qui concerne Masuka, n'a pas mal au Bawana, n'a moins crédibilité, mais tu vas payer ça. On a mon salaire au salarié qui est journaliste, ceux qui ne sont rien du présent, comme tu le dis. Je pense que Bato, Bayebi, Masuka, Bayebi, Lualaba, ils ne vont pas être d'accord avec toi. Et le Wali Bosso, avant de relever la moto, remettre en cause ma compétence, il y a moto. Et puis développer déjà de manière fictive, na moto, na yo, na imaginaire, na yo, qu'un jour, à connourir ma ambition à Osala Boye. Et puis deux, Ozaki na lola ba territoire ainsi de suite, oyebi lola ba te. Oyebi ba réalité ya lola ba te. Ngai oyo na za liboso na yo, na za mieux placé ko yebi sa dossier ya lola ba de zéro jusqu'à aujourd'hui sans avoir un penchant, que ce soit du côté Fifi Masuka, que ce soit du côté Mouyej, que ce soit du côté ba ressortissant nyonso oyo. Tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, dans le Katanga, il y a des gens bien riches. Au bazar un bon ouais belle qu'on les gagatungi ceux qui ont eu baraté bazari. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent plus que Fifi Masuka. Bazar, ils sont pas en politique, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent aujourd'hui dire bon voilà je me nourris des ambitions au comme président public, et ils le font et ils sont même capables de faire mal. Bazar na katanga, ils ont beaucoup d'argent. Moi je peux te le dire réellement dans ma investigation avec le journaliste Nengo Salaka, je pense que tu peux déjà voir même 10% il y a réalité il y a onga na zoloba. Reste dans les débats. On parle de politique active. Moi, je ne parle pas des hommes d'affaires. Quand je parlais, Fifi n'a pas 4 regroupements. Pour ton information. On confirme que Fifi a 4 regroupements. C'est faux. Fifi a une plateforme qui porte son nom, qui, à la base, a 3 sous-composants. Plateforme na yegomo na monini, plateforme Fifi Masuka Saini, 3 sous-composants à la base. Tozana Alliance 2024, ongamoko na zaki candidat. Tozana Alliance 2025, Tozana Alliance des nationalistes. Oh yo zo benga ki a beni mutokwe a convaincre Sali Boye. Non, yango na beni yango eza grandeur d'esprit à niveau na ye. Oh yako pona ba responsable, oh baza famille na yete.
bakamba regroupement azana bango confiance. Na politique on marche avec trois attributs. Trois principes: la fidélité, la loyauté et la constance. Quand ces trois éléments sont réunis, Masuka est capable de faire confiance à qui? À n'importe qui, si il remplit ce principe, parce que je vis avec Masuka, je ne suis pas de sa famille, moi je suis du Kassai, Masuka est du Lualaba, et l'Indembo. Aucun lien avec Masuka. Et là où il y a mis balé. Au lieu de Masuka, à sa sali, à Zumbo ou Ebele, ce qui a sali le sous 5 ans, à Kokoma dangereux. La comparaison n'est pas la raison. Masuka est un patriote. Aza Yamu Tchatcha, Aza Kandembo, dans le Katanga, particulièrement dans le Lualaba. Elle est différente de Katumbi qui, jusqu'à aujourd'hui, ses origines sont douteuses, tout ça, la rémission, tout le bara, ainsi de suite. Avant tout, il faut que je te rappelle que, nous avons acquis à tort que Fifi Masuka, sa famille est riche. Oui. Le mari de Masuka, vous ne le connaissez pas. Il a beaucoup d'argent. Avant même que Masuka devienne politique, elle vivait bien avec son époux. 34 ans de mariage actuellement. Masuka était déjà femme d'affaires, à l'âge de 23 ans. Azaki dans un bon bateau, bah, Masuka, je peux prendre beaucoup de gens à témoin de Mbashi, connaissent que Masuka était déjà une femme assise longtemps. À Botiba, nous sommes dans la poto. Tinenga yego ya, a bandi politique, il y a eu en 2006, tinenga comme commissaire en 2015, tinenga comme les lots. Les gens qui connaissent Masuka savent que Masuka ne se débrouille pas aujourd'hui et n'est pas de la dernière plus. C'est une famille qui était déjà sable, si il ne faut pas parler de sa vie privée. Tu continues la politique. Ceux qui sont dans la politique, ils ont été bités, ils ont été battés. Ils ont été sincères. Parce que vous n'êtes pas mieux informé que Fati. Ils savent que le mal menace l'union sociale contre la loyauté, n'a pas tout à espérer, c'est déjà un danger. Masuka a confiance, elle a la confiance du chef, c'est en fonction de son comportement. Mais est-ce qu'elle a servi la population de Lualaba? Elle a servi. Je vais chuter par là. Oyebi, pourquoi je ne suis pas d'accord encore avec vous? Oyebi, c'est que la liberté de penser. Nenge zawana. Yoko frene mutuko kanisa koko ma président de la République. Nenge nazao. Je peux dire, je grandis aux côtés de Fumutoto. Il m'encadre. Demain, le lendemain, si je suis en position de force, j'ai dit à Fumutoto, Nakoli, na minute yo, il faut, ou la kisagande la nangana zala autonome. C'est le droit. C'est un droit le plus légitime. Yoko yebisanga. À moins que Masuka, pendant qu'il sert Félix Antoine Tshisekedi, que Masuka aille contre le principe, à la loyauté, à la fidélité, à la ambition, mais je voudrais vous dire que Nabatunyo soit représentant de la province. Et ça, représentant la sincère loyauté, le Fifi, envers le chef de l'État. C'est au nom de cette sincérité que le chef de l'État a investi sa confiance. Parce que Talanenge Masuka a canalisé la recette à travailler pour l'intérêt du peuple. Il y a un lobby, la vidéo, il y a un reprendre. Le lobby Masuka a dit il y a un lobby. Là, je dis, quand tu prends un sujet... Non. Azub, le a calaté. Ah, le débat projet, bien sûr. Voilà. L'aéroport. La boïté. Échanger. Tango, Oyebi, Makambouté. Va encore plus. Paye ton billet, va là-bas. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec Fifi, Bazal, là-bas. Pose-les les questions, ils peuvent te fournir des éléments. Cherche des éléments. Nous sommes au lobby, Wana. Au lobby, non, parce que tu étais dans la précipitation, Yako, sans prendre. Namasuka. Mais je voudrais vous dire que tout ce que tu as dit sur Mouyège et sur Fifi, c'est faux. Je voudrais te dire une chose. Avant c'est un chantier. Mouyège fait 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Nalolaba. Il opère des emprunts à la hauteur de 149 millions. Tandis que la province vit, ne vit pas seulement de la redevance minière de 2018, qui est à la hauteur de 14 millions de dollars. Je sais comment c'est réparti, même par rapport à ETD, ainsi de suite. Et là, Koyami Balé. Taxe, moi, depuis que vous avez connu Mouyège. La province du Lualaba participait à 4,9% au budget national. 30 secondes, sans Mouyège, moi. Sans Fifi Masuka. Moi, taxe, moi, il y a un réhabilita. Nani Athénée, si vous ne connaissez pas. Kaka taxe, et puis c'est Fifi qui gérait cette taxe. N'a pas attribution, n'a besoin de congestion. Et là, comme Moussousou, plus de 40 comptes fictifs. Ba taxe, nion sur la province, c'est pas nous qui compte wana. Secret Oyo Masuka Bimizaga. IGF ne connaissait pas tout ça. Deux, Mouyège a fait un projet de 26 millions. Il y a projet Murukita. Il a escroqué 3500 hectares. La province n'a gagné que 100 000 dollars, n'est-ce pas? Et le reste, c'est dans les poches de Mouyège. Les maïs qui étaient même chez Eraïm, Bakanga en haut, parce que Azaga la Bagnon. Gouvernement provincial, il y a l'Olendo, il y a Mouyège. Et Zaga Logataire. Babana Rofutera. Moi, je connais même la maison sans passa. C'était la maison dans laquelle on louait. Et récemment, mais nous, on est en train de consommer les crimes médiatiques à Wanaïsasa.
soit disait c'était une mauvaise pilote. Répondre à la question, qu'a-t-elle fait concrètement pour la population? Il ne répond même pas. Il est ailleurs. Tu ne connais rien sur le Lualaba. Mais tu ne réponds pas à la question du journaliste. On reste dans le débat. Attends, je suis dans le débat. Abandi, personne ici. Voilà, c'est ça la question précise. Omoni Nabani Nanuna Arugaria Lualaba. C'est un projet conçu par Moïse, je n'ai pas refusé. N'est-ce pas? Mbongo Nyonso Zaga a loué un projet à Nabalia Gaona Mnoko. C'est Masuka qui a sorti l'argent de la province à renouveler ma contact, ma partenaire pour la Kotouelo Rwana. Et ça a été modifié selon Masuka. N'est-ce pas si la Wane Zaga n'a pas parce qu'il fallait que Nyongo essaie en 2029. Merci. Et là, on va mimer le projet à échanger à Kolozi. C'est un projet à Moïse. C'est un projet de Fifi. C'est un projet de Fifi Masuka. Pas possible. Lui ment. Mais ça, je vous dis, lui ment. Moi, je suis là pour montrer les plans. Là, c'est pas Moïse. Toi, tu ne connais pas ça. Merci beaucoup. Quand vous voulez charger quelqu'un, il faut avoir plus d'éléments. Parce que là, tu développes des fictions, ce qui relève de ton imaginaire. Tu voulais faire croire aux gens que tu maîtrises le lavage plus que le lavage. Merci beaucoup, Ndeko Fumutoto. Vous avez la parole. Merci. Naoba Ndeko Gauthier, Makoloba Naoboye. Tu ne peux pas dire que depuis qu'on mettait la peine de mort aux États-Unis, toute la criminalité diminuait. Sauf si tu me disais toute la criminalité est allée qui boni enva loawanezala et nasi manango et comme il boni en ce moment tant que je suis journaliste d'investigation, tu dis ça n'a pas diminué. Pourtant de comment le chaque ce exemple est bien. Et puis on commence à comprendre bien que dans quel esprit gouvernement 2003 et chaque moratoire? Parce que tous c'était des belligérants, c'est à ta parole, c'est-à-dire des gens qui viennent de tuer les Congolais et qui a une disposition qui peut les tuer et l'esprit ni balomola ni moratoire, parce que Bangonyo sera qui coupable, du moins généralement, dans les Cambouan. N'est-ce pas? Et puis esprit ni neyo kolongi sa disposition là, ils allaient esprit ils en a maquillaté, parce qu'on peut pas ignorer que Félix Tshisekedi, l'IDPS et tous les 13 parlementaires, personne n'a le sang des peuples congolais dans ma boucle. Et que tous les belligérants de 2023, un groupement d'un plus 4, il y a des groupes de belligérants nini, ils allaient qui maquillaient les congolais. Zoua le gouvernement de Kinshasa, Kabila et son père sont entrés après le sang des congolais. Zoa RCD, KML, Mboussanyamouissi, MLC. Personne ne peut nier qu'il n'a pas laissé des Congolais. Personne ne peut nier qu'il n'a pas pris les armes contre le Congo. En ce moment-là, Bato va outi Kobouma va Congolais. Il fallait battre la disposition ni ni à loi. Oh, yo, koki ko l'année là-bas. Intelligence avec qui? L'ennemi. Intelligence avec qui? L'étranger. Gauthier Monique, il se contredire. Maintenant, tu sais que d'ailleurs, il y a un abonnement. Mais moyen à colander la bateau, Babomi, Congo, peut continuer à faire et Zali. Tout ce qui s'est mis à on doit comprendre ça purement et simplement. Oui, au tout de quoi, sur exemple, bien. Tant que vous avez une exécution sommaire, il y a Kouluna, que nous ne soutenons pas. Mais ça, c'est ce qui est là. Kouluna, c'est là qui? Mais tant que vous avez une ça ne veut pas dire que ça les maquette. Awa Paul, il n'y a pas nié. Si vous avez une statistique, tant que vous avez des morts, criminalité, vous avez un volume, tant que vous avez des zones, vous avez des zones, vous avez des zones, troisième chose, vous avez une Union européenne dans un si vous Union européenne dans le lobby, qui est ça de l'autre côté, donc vous avez des Congolais qui sont de l'autre côté. Mais l'Union européenne, Azaz Resseler, Azo Somba, Azo Zoa, contraire à un minéré, Oyo, Rwanda, Zan Angote, il y a besoin de soutenir l'Union européenne. Qui t'a dit qu'il n'y a pas besoin de Zanzam? Tu as une diplomatie? Je ne sais pas si vous comprenez. 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 Je ne sais pas. Non, ce qu'on ne comprend pas, tout ce que l'Union européenne dit n'est pas bon pour le Congo. Et le Congo ne sera jamais développé avec le projet de société de l'Union européenne. Et là, il y a un peu de temps, l'Union européenne. Ce que vous avez dit, c'est l'Union européenne. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de troisième souci, quatrième souci, justice est à malamouté, moyen de la peine de mort. J'ai compris que tu n'es pas contre la peine de mort,
Mais tu dis seulement, dans les conditions où les innocents peuvent mourir. Je suis d'accord avec vous, mais tout bundané pour que les innocents ne soient pas fatés. Mais tout protéger jamais ceux qui détruisent le Congo. Mais tant que vous posez un gars dans les cambo ensemble, mais vous avez un exemple, la vie est sacrée, il y a un gars, mais Moïse, a 3000 hommes. Oh, il va s'amener à qui vaut d'or. Non, non, c'est bon, mon ami. Pour nous opposer à la poème, alors qu'on appelle ça une balle pour écoute. Il y a un moment à l'émission, les salaires du peuple et la loi suprême. Ça veut dire que ceux qui sont tombés au Congo, ils ont comme obstacle. Tant au coup, pour eux, mais ça, t'es, ça m'a retourné à l'émission de l'Oba. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Ça m'a pensé que nous sommes occupés, toi, dirigeant, toi, bon, ça m'a fait un rapport. Et Dieu ne va pas nous condamner d'avoir tué les méchants pour organiser la communauté. Fifi, et ça, c'est l'esprit de l'État. Fifi Masuka, dans oh. Madame et Fifi Masuka, tous les gens, Georges Kapamba, vont acheter dans l'île. Donc, Georges Kapamba, dans l'île, il y a un peu de temps. Mais là, il y a un peu de temps, et ça a démesuré. Tous les articles 198 de la Constitution, je cite en passant. D'abord, l'article 197. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant des provinces. Fifi Masuka devient gouverneur, comme ça, le principe spécial. En 2015, il y avait l'Assemblée provinciale. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. N'est-ce pas? Il y avait l'organe de l'Ira. Il n'y en avait pas. Elle était nommée gouverneur ou elle était nommée par Kabila comme ça principal adjoint. Là, on a bien antithèse. On a personne de quoi. Je suis très étonné. Il y a comme un juriste de renom, de grande facture comme lui. Parce que quand il a fait ma souké, il a mis la motéma, alors a fondé la Constitution. Et même l'article où il s'est référé. Article 198, 198 des Français pour le peuple local. Et le biboué. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs, on ne dit pas les commissaires spéciaux et les commissaires spéciaux adjoints. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus par les députés provinciaux dans ou en dehors de l'Assemblée provinciale pour un mandat d'une année, d'une fois renouvelable, de 5 ans, une fois renouvelable. Je répète. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus par les députés provinciaux dans et en dehors de l'Assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Mouyège, commissaire spécial, et Madame Fifi Masuka, commissaire spécial adjoint, ont-ils été élus par les députés provinciaux dans et en dehors de l'Assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans renouvelable en 2015? Parce qu'elle a appliqué la disposition en disant, comme elle a déjà exercé les fonctions de gouverneur avec Mouyège, c'était le premier mandat, elle vient d'exercer avec Mouyège comme c'est le gouverneur, et elle est vice-gouverneur, c'est le deuxième mandat, maintenant elle ne peut pas postuler le troisième mandat. Est-ce que c'est fondé? Bah, il y a un autre problème à déposer candidature, on a eu deux fois. Nous, on est de se comprendre. Bah, lobby. Je répète, je vais vous dire que les députés provinciaux, pardon, les gouverneurs des provinces et les vice-gouverneurs sont élus par les députés provinciaux pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire vous déposez la candidature deux fois. Renouvelable une fois, c'est-à-dire première fois vous avez déposé, vous avez été élu gouverneur. La deuxième fois vous déposez, vous êtes élu gouverneur. Une fois que vous terminez les deux mandats, vous ne pouvez plus faire troisième mandat consécutif. C'est la même chose avec l'article 220 pour le chef de l'État. Maintenant, quand on dit qu'elle ne peut pas déposer deux fois, mais on dit élu pour 5 ans, une fois renouvelable. Bon, alors, la deuxième fois là, pardon, l'une fois qu'on renouvelle là, c'est pas la deuxième fois de dépôt de candidature. Et ici on dit, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, contrairement même à ce que Gauthier a dit, ils ne confondent pas les droits administratifs, ils ne confondent pas les intérimaires, non, adjoint, non, vice. Adjoint, ils ont moto, ils ont un moto, ils acte administratif. Intérimaire peut ne pas être cette personne-là, mais quelqu'un d'autre qu'on vient prendre, mettre dans la fonction, qui n'occupait pas en cas d'empêchement ou de révocation de l'autre. Mais vice, ça veut dire, Oyo, à l'anime aussi, ça peut, ce qui on a empêché, Aza qu'on accomplit les mêmes tâches que Oyo Aza empêché. Donc, Madame Fifi Masuka n'a jamais, sa candidature dans le deuxième mandat, n'a jamais énervé la Constitution. C'est M. Georges Kapamba, Ndazalibanda. Voilà pourquoi lui-même était censé, il a utilisé, violer
Alors qu'en tant que juriste de son rang, à Kokaki Koloba, Likamo Anate, tu défies en face, Aya, toi, Tina Moutunaye, attends, il s'habille sur le droit, bien que n'étant pas juriste, mais je suis voisin contemporain de juriste. C'est pourquoi nous avons un engagement, s'il vous plaît. Maintenant, on a compris que nous avons fait un masque. Aïe, puis le rabatté, à quel appel le rabatté. Nous avons besoin d'abord social. Falou Loba. Fifi Masuka a commis na gouvernorat. Ma femme ménagère, maintenant, faut avoir moins de $500. Tout le monde, les femmes ménagères, touche plus de $700. Social à moins d'un temps. Madame Fifi Masuka a commis. Non, je j'ai fait des recherches, j'ai fait des interviews, j'ai des archives. On a dit que non, à ton gré, le côté de Mouyèche. Hôpital à Mange Jouana. Donc Mouyèche Moutatongaki. Centre financier, Mouyèche, c'est que tu n'as jamais été là. Direction provinciale. Même le Colobu, ce n'est pas Mouyèche. L'Oba est regard, d'accord. Mais centre, Échanger, bon, gars, Nazalaki, t'as pas opposé. Mais je te dis, Nazalaki, maître Gédéon est dans la salle, si tu t'avais voulu. La route colisée. N'a pas ça, Moussika, orphelino, la route qu'on inaugure, il n'y a pas des semaines, porter le nom de la femme chef de l'État. La résidence chef de l'État. La résidence chef de l'État. Mouyej Moutatongaki. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, maman, c'est là, non, Nassi, ça va. Nassi, ça va, Nassi, ça va, Nassi. Et Nicole. Madame Fifi Masuka a été dans les affaires depuis longtemps, il y a l'Obaki. Madame Fifi Masuka était la rare femme élue députée nationale à Lumbashi, au Katanga à cette époque, na MLC, na 2006. Abandonné politique, il est long. Bon, maintenant, le chef de l'État fait son dernier mandat. Madame Fifi Masuka est loyale au chef de l'État. Et en 2028, ici, la constitution n'est pas changée. Le président n'a plus qu'il ne va plus se représenter. Maintenant, Madame Fifi Masuka sera opposante de Félix Tshisekedi Kamba. Parce que le premier mandat s'opposait n'a été. Deuxième mandat. Et puis parmi les gouverneurs les plus félicités, les plus reconnus, encouragés, c'est Madame Fifi Masuka. Gozien a vu que Madame Fifi Masuka est un modèle et référence merci de la femme beaucoup congolaise et de la jeunesse féminine dans la gouvernance. Merci. Mais aucune femme au Congo n'a fait de prouesse à Sali. La gouvernance, malheureusement, il y a l'obin abisso. T'as ici. Merci beaucoup. Tant que Sili, tout cité, une minute à chacun pour te lober la ville, province à Kinshasa. Toyoki, de Kodeo Kassonko présenté Bisso. Programme naïe, il y a des photos qui circulent. Il y a candidat de Kobandaï pour soutenir de Kofumototo, candidat naïe à Salimou Makamba Malongate à Zola en pleine réunion. Et ça a circulé dans Pesso Malouapolo Bayango. Est-ce que Azam Mototo paie sa ville à Kinshasa? N'a pas nion sur Kinshasa de Kogoti essaye tout ce qu'on a Kinshasa répondu. Merci beaucoup, maman. J'ai deux normalement n'a formé émission et c'est un Fumototo à Ozala, mais je savais que j'ai deux communicateurs de Fifi Masuka qui en a rencontré Bango. Pour moi, tu lobby, na banana lobby, Gauthier yo kenda lo la baté. Na tinjo okota na Netic News TV. Au moins na 200 tonnes, j'ai fait les 6 territoires du Lualaba. Renault Lucas compte. J'ai fait les 6 territoires du Lualaba et des endroits où Fifi n'a jamais été. Eux qui a témoignage à l'administrateur des territoires, eux qui a témoignage à l'administrateur du marché, au bas ça au sein à Fifi ya kata to mona yo. Au tikala ko mana di loloté. Au tikala ko mana sando até. Je suis arrivé dans le marché Maman Adèle Kaïna, marché Moko Maman Tonga Tcharabatol, Fifi a aussi sa bise à ta brique. Frère, où est-ce que je ne suis pas arrivé? Les Lualaba, c'est ma maison. D'ailleurs, pour ton information, c'est vendredi, je serai à Colombie. Fifi Masuka n'a rien fait. En termes de compétences, c'est la femme la plus incompétente de toutes les dirigeantes. Je vais te l'éprouver. Zouab interview 5 qui a Fifi Masuka à Colombie, le poto. Nathan Loba Mbeba. Oh, Fifi Masuka, pourquoi je suis descendu à Dilo? Fifi Masuka a mis Jean-Marie Kassamba, a mis Paulette qui monte. Il leur dit, on faisait 2 semaines pour qu'on m'a dit Lolo. Aujourd'hui, journée moko comme dit Lolo, parce que Nzela n'a si na bongisi. Je salue l'honorable Donat Chimbo, je salue Nawe, je salue tous ces gens qui m'ont. Mais Gauthier, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il fait? J'appelle Jean-Marie Kassamba. J'ai dit, mais j'aime ka. Tu te rends compte de ce que cette dame est en train de te dire? C'est Chimbo que t'avais invité. Elle dit quoi? J'ai dit, mais la dame te dit que dit Lolo, ça te fait une journée. Je t'éprouve le contraire. Je prends mon vol avec une équipe de 10 personnes. Ça y est là, beaucoup t'en as YouTube, AnethicNews.tv. Et les cabos, ils sont solo partout. Et vous allez voir, l'émission est là. Je descends sur là-bas. Je prends un véhicule, je loue 2 jeeps. Dans mon moto, au matin, j'ai pris des motos pour que je m'endors. C'est là l'état de l'abonnement total. Fifi a menti à l'opinion. Si le long, c'est silaté. En venant sur cette école, on m'a appelé pour dire que le président de la Ligue des jeunes, ce qui a Fifi, a Nguy de Banayo, j'appelle mon correspondant là-bas. J'ai dit, mais est-ce que
Vous pouvez me donner la situation de la route. On m'envoie des images. Tile l'onzele si la tête. Fifi a menti à l'opinion. Dans une langue qui s'apparente en français. Allez-y, suivez son interview là. Est-ce que c'est vraiment une dirigeante? Des deux. Je vais chiter, c'est important. Au lobby, Fifi a tongué l'eau. Fifi a sali l'eau. Je vous informe ici que quand Mouyej est allé faire des projets et échanger, moi j'ai été invité comme reporter. Échanger, Fifi a trouvé. Fifi n'a rien inventé. Les regards, les parlements au place à Zoba, oh non, parlement, les parlements c'est Mouyej. Les gouverneurs provinciaux, place Fifi à Zoba, Salam, c'est Mouyej qui a initié. Fifi, toutes les routes secondaires au moins la Kolwezi. Oh, bah, route secondaire, il y a seulement la police, bah, tongi, tongi, qui est côté à Chennai. Les petites routes, les petites avenues, Fifi, à tongi, la police, c'est l'avenue qui amène vers Diogras, qui est son frère député provincial, pour te démontrer que je maîtrise les lois là-bas, qui mène vers sa radio, vers son fils, comment il s'appelle, l'enfant avec qui il aille avec les VEP, bon, je préfère taire les noms. La route qui mène, ce sont les petites avenues vers ses proches parents, mais les routes d'intérêt national, Fifi, à tongi, c'est la place. Merci. Va là-bas, quand vous dites que ménagère, a touché 500 dollars, moi j'ai une résidence au loi là-bas, j'ai un bureau loi là-bas. Combien un ménager n'a déjà 500 dollars? Pourquoi mentir à l'opinion? Autour de Moutouna, attendez le chantier Moko. C'est Fumtoto qui vient, c'est pour Vané. Au chantier tel. Mais il y a Moutaza, président groupe Sogi Yanine, incapable de citer un chantier. Des deux, pour chiter dans le Kambouana. Je vais te démontrer aujourd'hui que il y a un exemple révélateur où il y a un exemple révélateur. Les ambitions sont légitimes. Pourquoi ceux qui Fifi a lobby à Koma comme Nambon? Fifi a les affaires, il avait quel argent? Qui connaissait Fifi? Qui connaissait sa famille? Qui? Nous connaissons tous au Congo que quand on accède aux affaires de l'État, on s'est fait riche. Merci beaucoup. Parce qu'on a la caisse, on a la facilité. L'argent que Fifi avait hier, si elle avait 100 francs, aujourd'hui Fifi a 10 000 francs. Des deux pour chiter, j'ai lancé des défis. Exemple révélateur, et lui, nous l'avons mis balé. Et qu'après mandat, tu sais qu'il ne va pas se représenter. Ce que Fifi a dit, où est le problème? Or, alors que Toyebi qui rôle la partie politique, c'est de prendre le pouvoir et les garder le plus longtemps possible. IDPS, adversaire de la Mino Lobby, c'est les fidèles. Merci beaucoup. Bon, ça va. Votre mot de la fin. Oui, bon, ce n'est pas du tout un mot de la fin. Je vais répondre à Gauthier. Vous savez, moi j'ai cru, vous savez, je les suivais dans des émissions. Je les prenais pour quelqu'un qui a un peu de la hauteur dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, il me prouve le contraire. Attends, laisse-moi finir. Parce que je n'ai pas mes rapports. Non, il y a vraiment une bonne dose d'insolence en toi. Quand tu dis non, attends, monsieur. Attends. Quand tu parles de l'insolence, l'insolence c'est dans toi. Quand tu dis que je pensais que j'avais dit la hauteur. Non, sois un peu poli. Tu peux retirer ça. Moi, je te laissais parler. Incompétence, ce n'est pas l'insulte. C'est pas un problème. Incompétence, ce n'est pas l'insulte. Et tu es conscient que cette dame n'est pas en mesure d'agencer le temps de parler. Tu es conscient. Donne-moi le temps de parler. Monsieur Gauthier. Toi, tu n'as pas une belle parvécile. Tu as aussi une parvécile boiteuse comme tout le monde. Toi, tu taxes des fichus Massouga d'avoir une diction boiteuse. Et tu trouves que non, parlant un bon français, c'est synonyme d'être compétent et bien géré. Je n'ai pas dit ça. Tu sais ce que tu as dit? Je n'ai pas dit ça. Tu as parlé de ça? Fumtoto, il y a des erreurs. Deux. Quand il dit qu'il est compétent. S'il vous plaît. Deux. Tu affirmes sur ce plateau que l'avenir asphaltait vers chez Geoffrey. Tu parles de Geoffrey, peut-être tu n'as pas voulu citer son nom. Le fils est né de lui. Tu as dit, il a fait un enfant avec un VPM. Tu l'as affirmé sur ce plateau. Je pense que toi, si on t'amène devant la justice aujourd'hui, que Fifi te dise de prouver la paternité de son fils qui appartiendrait à un certain VPM, attends, tu vas le prouver. Mais tu as dit pas, ça. Mais, et tout ça, un journaliste d'investigation le dit sur un plateau de télévision. Attends, parce qu'il n'est pas content avec Fifi. Attends. Tu ne vas pas m'intimider. Tu ne vas pas m'intimider. J'ai fini, j'atterris. Moi, je n'ai pas besoin de changer. Si tu vas les porter plainte, allez-y. Je l'ai dit ici et je confirme ma thèse. Non, non, moi, j'ai fini. Arrêtez ces intimidations, monsieur. On ne peut pas t'intimider. On n'a pas commencé aujourd'hui. On n'est pas de cette pluie. Tu penses que tu viens, tu as rencontré un jeune homme. Tu as un manque du respect. Tu penses que tu vas intimider. Si tu ne connais pas Fifi, tu te mets à faire des racontages. On va t'amener déjà des fous. Allez, toi, tu n'as pas une bonne diction. Va porter plainte. Tu as l'impression de n'avoir pas. Va porter plainte, monsieur. Va porter plainte. Il a demandé un débat. Il a sollicité un débat. Fifi a fait un enfant avec un VPN. Il confirme ça. Il dit Fifi ne parle pas bien français. C'est soudain. Va porter plainte, monsieur. Il parle des choses. Va porter plainte. Parce que tu veux porter plainte. Va porter plainte. Il faut que la Constitution protège les droits à la vie privée.
Tu viens intimider les gens sur le plateau. Je ne peux pas t'intimider. Ma, Fifi Massouka ne nous intéresse pas. Je ne connais pas, tu ne l'as pas. C'est sa vie publique qu'elle nous essaie. Si je le représentais, tu n'avais pas suscité un débat avec moi. Combien elle pas je l'ai venu seul. Pourquoi tu as demandé? Tu as payé pour ma part. Gauthier, est-ce que je peux terminer? Tu as payé pour ma part. Gauthier, est-ce que je peux parler? Non, il faut le faire comprendre qu'il a sollicité un débat avec moi. Moi, je ne te connais même pas. C'est toi qui es impoli, monsieur. Tu n'as pas été à la hauteur de me rencontrer. Et je pense que Baobengano n'est pas fichu. D'après les informations à ma disposition, vice-gouverneur, candidat Azali gradué dans les sciences commerciales et administratives. S'il vous plaît, mais vous avez dit que vous savez comment on ramasse les diplômes dans ces pays. Non, mais s'il vous plaît, mais parce que on a des docteurs dans ces pays. On a des docteurs dans complexe à diplôme. Il y a ma casse, s'il vous plaît, maman. Les diplômes. Il y a le président de la fondation Porte Kombounaye, chef d'entreprise et le député national. Mais là, il faut que ça ne va pas se faire. Son fils, il a amené 3 sièges dans MLC. C'est un homme qui a l'intelligence parce qu'il a gagné son argent, soutenu sa famille et aidé beaucoup de Congolais. Donc, c'est que mon ami disait, il y a un système de mon journaliste, Abet Amoutou, peut-être pas celui-là, Ndengue Bassa. C'est des bars, mais non, ça, je ne te permets pas. J'ai ma petite vie, tu me connais, j'ai ma petite vie. Non, je peux parler. Non, de toi, moi, je vais aller demander quoi que ce soit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai demandé à Fifi? Qu'est-ce que j'ai demandé à Fifi? Qu'est-ce que j'ai demandé à Fifi? Au pétale général de Mwangeji. Bâtiment Salemi Wana, et ton gamin qui m'a de 3 mois. Et ça m'a dit, centre final de Mwangeji. Pardon? Mwangeji. La réhabilitation. Par la construction à bâtiment Sika. Qui a fait ça? Moi j'étais là. Centre financier, qui a fait ça? L'hôpital, je ne sais pas, mais les restes. Ah, oui, c'est qu'il y a des choses. Alors là-bas, s'il vous plaît. Les restes. Moïse, Jatika qui conseillait à Zozoa. 1 200 $. Le conseiller dans le ministère de Lyon, aujourd'hui avec Fifi Massouka, c'est plus de 1 500 $. Mais s'il vous plaît, Moi, je sollicite alors. Non, sollicitez d'abord le débat la fois prochaine. Maintenant, mais ma badonné, on a quitté qui n'a le lab, chiffré, total en gros, n'a pas donné na yo, au la Kisangai. Qu'il y a quelqu'un qui était gouverneur à Loalaba qui a travaillé plus que Fifi Massouka. Merci beaucoup. C'est rendez-vous pris. Alors, non, Daniel Bumba a été porté par l'IDPS, a été porté par l'Union Sacrée à un bon projet de société. Il y en a un de Gounaye, Colistienaye, et dit hier. Bon, est-ce que ce que Moutouala dit dans la réunion, ça signifie que, il y a bien l'autre côté, bon, yo nanda kuna o la raté. Non. Le lobby, je comprends avec constance. Na lobby na yo. Bon, voilà, pour na cause incompétence yango wana. Comme tu veux me répondre na lobby par réseaux sociaux. Non, là il faut toyer baka. Et dans la batu baka na gabi sur balalité, na batu kola là. Ça peut arriver, mais ce n'est pas un obstacle pour devenir gouverneur. Parce que même le lobby n'a pas kola. Moi je n'ai pas dit ça. Il est réseaux sociaux. RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.